Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette. Donc, on va partir sur un petit make-up assez soft. J'ai une soirée ce soir d'anniversaire. Et du coup, je mise tout sur la tenue et pas sur le make-up. Donc, j'avais envie de nude. Et oui, ça arrive de temps en temps. Donc je me suis dit qu'on allait en profiter pour tester celle-ci, la That's Taupe de Colourpop, puisque je pense que ça peut donner exactement ce que je veux que ça donne. Donc à la fin, je vous montrerai quand même un petit peu ma tenue, en espérant que j'arrive à vous montrer, tout simplement. Et voilà. Donc là, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Ça va être une vidéo très rapide, puisque ça va être un make-up assez simple et que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous laisse avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Alors, je vais commencer avec un pinceau boule et je vais faire mon creux avec la teinte juste ici en dessous, qui est donc le taupe. Non, je vais prendre un pinceau boule plus précis, c'est celui-là que je voulais. Voilà, qui est le taupe de la palette, hein, tout simplement. Et je vais donc faire mon creux, mon coin externe et mon ras de cils. Voilà, je pars sur une forme hyper classique, hein, j'ai pas le temps de toute façon, et je veux quelque chose d'assez soft, on va dire. Il est super pigmenté. Et c'est un très beau taupe, un taupe un peu grisonnant comme ça, j'adore. Voilà, donc je commence déjà à dégrader le bord. L'avantage des fards Colourpop, c'est que ça se dégrade tout seul. Du coup, je prends l'autre pinceau et je vais prendre la teinte ici, pour dégrader un petit peu la première teinte, hein. Un petit coup d'estompeur propre partout, même si c'est pas indispensable, mais bon, vous savez comment je suis. Voilà, on viendra réintensifier le taupe juste après. Là, je vais prendre un pinceau plat, non, attendez, je vais prendre un pinceau boule plus précis plutôt, j'ai plus l'habitude. Ou un biseautier pour le coin externe. Alors attendez, je cherche. Mes pinceaux sont en train de sécher. Donc voilà, hop. Et je vais prendre le marron le plus foncé ici en dessous. Pour foncer mon coin externe, tout simplement. Alors, je reprends mon pinceau taupe. Taupe. Pour dégrader sur la paupière aussi. Et je reprends du coup le taupe pour le réintensifier, éviter qu'il y ait des taches et tout ça, et qu'on le voit aussi surtout. Avec mon pinceau plat, je vais prendre la teinte, ici, voilà, au centre, pour mettre sur le reste de ma paupière. Attention, il est hyper grand. Ça pue la chute à plein nez. Ok, on dégrade ici. Je redégrade ici. Il est très beau ce fard. C'est un taupe à paillettes comme ça, magnifique. Alors, avec un pinceau précision, je vais faire le reste de mon coin interne avec cette teinte-ci. Enfin, de ma paupière mobile plutôt. Donc je l'étire un peu sur le doré, hein, enfin doré. Je l'étire vers le centre, quoi. Ah, il me faut le pinceau dans l'œil. Ok, avec la tranche, j'en mets un petit peu en ras de cils ici. Voilà. Et je prends cette teinte ici pour mettre en coin interne. Je pense qu'il irait mieux l'embout mousse celui-ci. Attendez, j'en cherche un. Il a une texture plus pâte à modeler comme ça.
Oui. Ouh, c'est beau ça. Ouh, merde. Du coup, je prends la teinte là avec l'autre côté pour intensifier ici. Je vais juste marquer plus mon ras de cils avec un petit fard comme ça et je reprends le taupe. On va voir si c'est assez foncé, sinon je prendrai le marron. C'est assez avec celui-là. Voilà. Alors, crayon noir, mascara, liner, rouge à lèvres, je vais mettre le Velvet Teddy de chez MAC et je reviens vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le look final avec cette petite palette de nude. Et ben j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, les lumineux sont canon. Il y a quand même 5 mattes dedans et seulement 4 lumineux qui vont très bien ensemble. Donc franchement, et celui-ci, vous voyez la lumière quoi. Ouh, ça pétouille, j'adore. Celui-là est très beau sur la paupière, celui-là aussi. Enfin franchement, ils sont canon. Le taupe, c'est un nude que j'adore, une teinte de nude que j'adore. Vraiment ça et le vieux rose, c'est vraiment les deux teintes que je préfère en nude, surtout le taupe. Fut un temps je faisais que des smoky taupe, voilà, mais j'aime beaucoup ça et je trouve que le make-up va très bien. Là je vais essayer de vous incruster ma petite tenue d'à côté ou de l'autre, je sais pas où je vais me mettre, je sais pas, mais je vais essayer de vous incruster ça pour vous montrer. Je vais d'abord aller mettre ma jupette puisque là je suis encore en leggings qui me sert de pyjama, voilà. Donc, je vais faire ça, je reviens vous montrer, enfin, voilà, je fais ça en même temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Maryse, encore une fois, merci parce que c'est encore une palette qui vient de Maryse, je crois que vous avez compris. Et donc, on se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.